Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, on est là. Nous le passe sanitaire, on n'en veut pas. Oui. Ah bon? Non, mais attends, ça n'a rien à voir. Bienvenue à tous pour ce 22e samedi. Et oui, 22 samedis ensemble à lutter contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Je vous remercie pour votre présence et surtout aux nouveaux arrivants, puisque nous avons des personnes nouvellement arrivées aujourd'hui qui participent à leur première manifestation sur Auxerre. Alors merci de les applaudir. Je souhaitais prendre la parole aujourd'hui pour une raison bien précise. Puisque, comme vous le savez, depuis quelques semaines, il y a un conflit interne dans l'organisation, des frictions, comme tu dis, Noël. Des frictions qui durent depuis bientôt 2 semaines, et il est temps que ça cesse, il est temps que ça s'arrête. Puisque aujourd'hui, nous nous retrouvons à être tous impactés par ce conflit, et ça ne peut plus durer. On se retrouve avec deux gestions d'organisation, on se retrouve avec des prises de décision où chacun des groupes a 50% des infos. Ça ne peut pas durer. Pour une cohésion et une efficacité, il faut que l'on retrouve notre unité. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé puisque ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment, on s'en fiche. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que certaines personnes n'ont pas pris parti, ne se sont pas comportés comme des idiots. Il y a des personnes qui, effectivement, sont restées neutres et ont même proposé leur aide pour une médiation. Alors, ces personnes qui ont su faire preuve d'intelligence et qui sont en grande majorité, merci à vous. Merci beaucoup. Puisque vous avez su nous rappeler ce qu'était l'unité, ce qu'était la solidarité. Et c'est quelque chose que je pense certains d'entre nous avaient oublié, malheureusement. Et il faudrait que l'on ne se trompe pas d'ennemi. Je le rappelle, le véritable ennemi, aujourd'hui, est toujours à l'abri dans sa tour d'ivoire, s'amusant de nos querelles infantiles. Il prend plaisir à tout ça, il rigole. Donc il faut qu'on arrête nos conneries, il faut qu'on avance. Donc aujourd'hui, je tends une ultime perche pour une médiation, afin que les choses s'arrangent et qu'on aille de l'avant. Toutes ces bénades sur Facebook, ils doivent s'amuser, bénades. Il faut garder absolument ce cap en vue. Comme vous le savez, fédérer un groupe, fédérer une équipe, ce n'est pas facile. Vous pouvez le faire seulement autour d'une, voire deux idées grand maximum. En l'occurrence, ces idées-là, ça a été le retrait du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Mais depuis quelques semaines, on s'éloigne. On se retrouve avec des prises de parole qui parfois parlent de spiritualité, d'énergie et d'autres choses. Pour ma part, je n'ai rien contre ça. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a pas sa place ici en manifestation. Il y a beaucoup de personnes qui, le samedi, notamment samedi dernier, qui sont partis puisqu'ils ne se retrouvaient pas dans ce discours. Alors, ce n'est pas ce que je dis. Tout le monde a sa place en manifestation. En revanche, les opinions politiques ou les diverses croyances personnelles,
Voilà. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que les différentes opinions politiques, les différentes croyances, religieuses ou non, ce sont des croyances et des opinions qui sont personnelles. Et en aucun cas, elles ne doivent prendre le pas sur la lutte commune, sur une cause commune. Et c'est ce qui se passe depuis quelques semaines. Et ça, ce n'est pas possible. Voilà, c'est ça que je dis. Mais après, je respecte la spiritualité de chacun et chacun peut penser ce qu'il souhaite. On vient pour le passe. Oui, mais c'est vous, un ferme, pardon. Voilà, on est là pour le pass et pour l'obligation vaccinale et on restera centré sur ces idées. Voilà. On restera sur ces idées. Et il est hors de question qu'il y ait des dérives, quelles qu'elles soient. Car moi, je vous le dis, je m'y opposerai formellement. Je m'y opposerai formellement. Il faut les personnes, s'il vous plaît, les personnes n'ont pas besoin de rêver, n'ont pas besoin qu'on leur donne de l'espoir. Elles ont besoin de soutien et elles ont besoin de faits concrets. Elles ont besoin d'être informées. C'est pour ça que chaque samedi, nous descendons dans les rues d'Auxerre et que nous tentons d'informer les gens. Il est peut-être temps d'arrêter de scander toujours les mêmes slogans. Peut-être qu'il est temps... Quand on croise des automobilistes, quand on croise des passants, peut-être qu'il est temps de donner des chiffres, de les informer réellement sur ce qu'il se passe, pour leur ouvrir les yeux. Ce n'est pas donc avec des discours de spiritualité, d'énergie qu'on arrivera à les éveiller. Car ça ne touche pas tout le monde, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas éveillées spirituellement. Et ça, c'est propre à chacun. Chacun a sa spiritualité, chacun a ses opinions sur la question. Mais ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à fédérer, à unir un peuple. Voilà, merci à vous. Vous savez que sur Auxerre, le port du masque est obligatoire dans les rues. Donc vous le prenez, vous le mettez pas. Si vous êtes contrôlé, bah, c'est une amende. Et puis voilà, faut le savoir. C'est obligatoire pour les rassemblements. Et après les... Ensuite, sur le circuit... Sur le circuit dans les rues, là, vous allez défiler. Vous savez que dans la rue du Pont, on se tait, personne ne dit rien, c'est le grand silence. La dernière fois, ça a beaucoup touché les gens. Tu veux bien me tourner? Donc, rien dans la rue de Paris. Silence. Et voilà, moi je vous dis à bientôt, je vous dis bonne marche. Et puis, merci d'être là. L'autre action en cours, c'est l'action des hommes sans bric, donc de se mettre au bord d'une route, et on a 22 panneaux de prêt à présenter aux gens qui vont passer. Voilà. Voilà en ce qui concerne les deux principales. On a d'autres idées. Anti-masque qui va servir à tout le monde. Alors le premier, c'est un pour tous pour un. Ça tombe bien avec ce qu'on vient de dire. C'est surtout pour remercier l'ensemble des antennes. Nous, on a un peu merdé au début, c'est vrai. Se mettre en route, ça a été un petit peu long. On voit d'autres antennes peut-être qui ont du mal à démarrer. Et il faudrait aussi que vous les aidiez. Hein, qu'ils ne soient pas deux ou trois à fonctionner, ou voire un. Ou, voilà. Du portier dans les magasins, entre copains, entre copains. Du portier dans les magasins, au restaurant, entre copains. Maintenant tu n'as qu'à te rendre essentiel. Ça c'est ça. On les prendra avec nous sur le fourgon. Oui, c'est pour ça que j'ai pensé. Voilà. Et si vous n'en avez pas assez, on en prendra. Et ça, c'est le trop beau. Yeah.
Ah ben, c'est ce que dit le charmeur. Manifestation à Auxerre. Aucun mouvement n'a été aussi présent en nombre et en durée ici dans notre chère ville d'Auxerre. Ouais. Bravo. La semaine dernière, Lyon Républicaine m'a appelé pour une interview. Ils ont dit être assez ébahis, surpris, et cela les interpelle. Elle a été aussi surprise. Comme tant d'autres, par le fait que je sois chirurgien dentiste non vacciné, interdite d'exercer, mais que j'ai aussi l'interdiction d'avoir un remplaçant même vacciné. Donc... nos démarches d'information et de contre-propagande à propos de Corona Circus doit bel et bien continuer. Aujourd'hui, c'est la marche des réveillés. Aujourd'hui, nous sommes là pour réveiller nos concitoyens endormis par la propagande. Donc, il faut absolument que vous preniez le relais en ce qui concerne les prises de parole, que vous fassiez vous aussi vivre les manifestations et qu'on puisse interpeller nos concitoyens, les informer. Tout à l'heure, on diffusera des enregistrements pour dénoncer les abjects mensonges de notre gouvernement. Et de rester en lien avec vous et de vous donner les informations qui concernent tout le collectif. Ce groupe Facebook est maintenant public, donc il est trouvable par tout le monde, contrairement à l'ancien. Il n'y aura aucune censure. C'est Citoyen Antipas 89. Les bourguignons se lèvent pour un autre mise en demeure suite à leur refus de la vaccination contre le Covid-19. Mais ce jeudi, l'hôpital annonce que ces mises en demeure sont finalement annulées. Je vais vous lire aujourd'hui un extrait très parlant du livre du professeur Joyeux intitulé « Face au virus ». Ne vous laissez pas contaminer par cette peur que l'on nous distille à longueur de journée et qui se propage plus vite que le virus. On devrait davantage parler de pandémie de la peur. On nous annonce des chiffres pharaoniques sur les décès de l'ordre de 1 million de personnes dans le monde, alors que les maladies cardiovasculaires tuent chaque année près de 18 millions de personnes. Le cancer, comme la faim, c'est 10 millions de morts. La pollution, 8 millions. Les pneumonies, 7 millions. Et la grippe saisonnière, c'est 15 000 personnes en France en moyenne. La peur, avec l'anxiété, l'angoisse, les dépressions qu'elle génère et leurs traitements souvent abusifs, sont le plus grand ennemi de notre système immunitaire. Notre santé mentale et physique en dépend. Et on peut mourir de la peur de mourir. À ce propos, je vais vous lire ce petit conte soufi du XIIe siècle qui accompagne et porte à réflexion. Un chef de caravane, en plein milieu du désert, croisa sur sa route le nuage de la peste. « Où vas-tu donc comme ça ?» lui demanda le chef.
À Bagdad, j'ai 1000 vies à prendre, lui répondit la peste sans s'arrêter. Quelques semaines plus tard, le chef croisa à nouveau le nuage de la peste. Mais dis donc, lui lança le chef caravanier, je reviens de Bagdad, ce n'est pas 1000 vies, mais 32 000 personnes que tu as emportées. Moi, je n'ai tué que 1000 personnes, comme il me l'a été demandé, rétorqua la peste. Les autres sont mortes de peur. Disponible. A-t-il donc, monsieur le ministre, demain, être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. On n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens. À partir du 15 décembre, il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. Ce pass sanitaire serait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Non, évidemment, il n'y a pas des milliers de morts cachés du vaccin. Parmi les fake news qu'on entend, il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux, la phase 3 est terminée depuis des mois. Je suis vacciné, j'ai mon pass sanitaire et j'ai eu le Covid il y a 3 semaines. Tous vaccinés, tous protégés. C'est un poème qui s'appelle « Par les 1000 fils d'Idaho ». Il y aura-t-il des guerres plus atroces encore, détrônant ainsi les massacres du passé? Et si aujourd'hui nous comptons les morts, c'est que le conflit a déjà commencé. Ensemble, construisons les charniers à venir. Faisons de la race des humains des insectes. Nous aiderons ainsi les ténèbres dans leur devenir et peut-être ferons-nous partie de la secte. J'aime simplement les fleurs, les arbres et le vent. Doucement me murmure ce chant. La chasse déjà commence, n'entendez-vous pas? Les chiens aboyés le long de votre chemin. La peur et la haine qui résonnent sous vos pas. Courez vite et enfermez vos biens. Dormez tranquille, le capital les protège. Le contre-coup de l'essor économique ne viendra pas à la porte de vos auberges. Ils savent bien ce qu'ils font, nos hommes politiques. J'aime simplement les fleurs, les arbres et le vent. Doucement me murmure ce chant. Pourtant, nous avons signé des traités de paix, de droit, d'alliance, de partage des nations. Mais quand l'intérieur des terres est bon à exploiter, il reste que les frontières sont zones de tension. Pourtant,
nous avons aboli l'esclavage. Mais mon être se fond dans l'uniformité. J'aimerais sortir de la terre, avoir le courage de braver mes frayeurs, de me libérer. J'aime simplement les fleurs et le vent doucement chante. Alors, je crois aux anges, aux archanges, à l'infini, aux esprits, aux fées. Ils m'en sont reconnaissants, leur vacarme est un chuchotement. Ils me prêtent leurs yeux pour voir au-delà des temps. Il y a tant de beauté, de couleurs et de vie, de sons imperceptibles, d'odeurs infinies. Ce sont les ruisseaux qui coulent, le vent qui murmure, plus fort que nos cris étouffés dans les murs. Il y aura-t-il des guerres plus atroces encore, laissant les enfants dans le carnage et les ruines? Aurons-nous alors à prendre le chant des morts, le cri de la violence, le sang des victimes? Pourtant, tous aujourd'hui, nous voulons parler d'amour, mais beaucoup sont filles ou fils de la colère. Alors, pour les générations qui bientôt verront le jour, pourrons-nous, en fin de compte, protéger la terre? Voilà. Merci. Au-delà des tracts et des boîtes aux lettres qui sont en pleine forme aujourd'hui concernant les enfants, voilà, moi je voulais vous reparler des deux actions que nous avons en cours. La première concerne la caravane des enfants. C'est un véhicule qui, avec les photos que vous voyez sur certains, voilà là-bas, merci. Hein, seront sur sur les côtés et le derrière. On compte décorer le haut, la galerie, avec des nounours, des nanas, des vieilles serviettes et tout ce que vous voulez pour les petits-enfants, puisqu'il s'agit bien des 5 à 11 ans. Donc j'ai besoin encore de petits nounours, de vieilles serviettes que vos petits-enfants ou enfants ont pu sucer dans leur enfance. Voilà. Donc on a également besoin, parce que l'action durera quand même plusieurs semaines,
on a besoin d'avoir du monde à l'antenne action. Donc toute personne, alors l'objectif, il est soit en poste fixe, c'est-à-dire il y aura les photos, il y aura des tracts, il y aura aussi un argumentaire qui est terminé aujourd'hui, un argumentaire sur la vaccination sur les enfants, l'injection, pardon, sur les enfants de 5 à 11 ans qui sera faite, soit donc à des postes fixes, des postes plutôt stratégiques du point de vue du passage des gens, et soit des tournées à vitesse assez lente sans essayer de gêner la circulation, bien entendu. Sur le virus. À chaque étape, on dira tout ce qu'on sait sur l'efficacité. Là, on a des premiers chiffres qui viennent des autorités de santé et des labos. Mais donc, on doit savoir, à chaque fois, il y a un bilan coût-avantage de la vaccination. Et après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. Sur des vaccins auxquels on était très habitués pour les enfants, qu'on fait depuis des décennies, on a décidé la vaccination obligatoire en début de mandat. Ça a été
un très gros débat démocratique dans notre pays. Ouais. Et on était avec des vaccins qu'on connaissait par cœur. On avait des décennies de recul. Je pense que c'est contre-productif de rendre le vaccin obligatoire sur des vaccins qu'on connaît mal, sur une pathologie. Et justement, quand on dit on ne connaît pas tout sur les vaccins, ça peut être aussi quelque part. Moi, je me dis, en tant que citoyen, si on me dit ça, c'est inquiétant quelque part. Je comprends. Qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour rassurer les gens, de se dire, bon, là, il n'y a pas. Non, on ne les a pas.